Vinken en Van Tricht hebben een missie. Ze willen aantonen dat bier beter bij kaas past dan wijn. Om in hun opdracht te slagen, bezoeken ze kaasmakers in België en Frankrijk. In Normandië proeven Vinken en Van Tricht vandaag camembert met Delirium Tremens. Ah, ik zie hem, hè. We zijn hier gearriveerd. Dario. Iemand die de beste camembert smaakt van Normandië. Rauwe melk, schitterend. Ja, schitterend. En het is toch leuk dat we zo'n vrouw in het programma hebben. En nog wel Katrien van de brouwerij Huygen. Die maken de Delirium Tremens. Kan niet mislopen met deze kaas. Je gaat dat zien. We zullen erop uit. Hallo, zie. I'm gonna ask you to look away. I love my hands, but it hurts. La voilà. Mark, de directeur. Bonjour, Mark. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va? Est-ce qu'on peut visiter? Bien sûr. La fromagerie? On est curieux, hein? Non, mais c'est normal. Ah oui. Voilà. Eh bien, Mark. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on est à la phase du moulage à la louche. Mmh. Donc là, ils attaquent la troisième louche. Dans la définition du camembert, on doit faire un moulage fractionné de 5 louches. Une louche toutes les 45 minutes. Chaque mouleur fait environ 1000 camemberts. 5 louches par camembert, 5000 coups de louche par mouleur, dans un temps de 4 heures. Voilà. Les 5 louches ont été apportées dans le camembert. Le moule est plein et en fait, on a apporté 2,30 litres de lait par camembert. Qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Ah oui, on est d'accord, on acquiesce. Oui, oui, c'est vrai qu'il fait chaud. Moi, j'ai un grand soif, hein. Oui. Je crois qu'il est grand temps d'aller déguster, non? Il n'y a pas de problème. Vous d'accord avec moi? C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Quelle est votre première réaction sur l'idée même de combiner de la pierre avec du fromage? Écoutez, c'est pas la première idée qui vient, hein, associer la bière et le camembert. On est plus habitué au vin et au cidre en Normandie. Mais je suis sûr que deux bons produits peuvent très bien se marier. Donc ici, on parle d'une bière dans la catégorie blonde forte. Couleur, comme vous le voyez, blonde, oui. Avec une belle mousse, petite mousse. Épaisse. Katrien, wat een prachtige fles, maar wat een ongelooflijk mooi speels etiket. Hoe zit het daar al geraakt? Maar in feite is dat een symbolische voorstelling van de verschillende fasen van de ziekte delirium tremens. Dus in het eerste stadium, het aangenaamste, ziet men roze olifantjes. Iets later ziet men de krokodillen. Nog later zijn er de draken. En tenslotte wordt men aangevallen door de birds, zoals in de gelijknamige film van Alfred Hitchcock. Ja, dat is natuurlijk... Maar Michel, wij geraken nooit verder dan die roze olifant. Roze olifant heb ik inderdaad ook al gezien, ja. Maar een verder stadium, gelukkig niet. Ja. Duidelijk ben je, het is een top camembert. Wit schimmelkaas met dit bier is niet zo evident, maar omdat we met zo'n karaktervolle kaas zitten, kan dit bier zeer goed erbij gepaard worden. Het is een stevig bier. Ja, het zijn twee topproducten die elkaar waard zijn. Ik zou zeggen, mooie pairing. Je découvre le mariage et je le plébiscite. C'est excellent. Voilà. Un fromage au goût extrêmement prononcé. Une belle bière blonde, forte. Je crois que le mariage est parfait. Ja, Katrien en Michel, als ik mijn gedacht mag zeggen, als biersommelier. Bijzonder karaktervolle camembert. Les cru, alle smaken van de zilte weide van Normandië zitten erin. En hierover gaat als een soort film, maar een heel vlotte film, die blonde uit Mullen met alle fruitige kruidigheid, 8,5 graden alcohol, voldoende body om deze klepper aan te kunnen. Dus twee kleppers van formaat die ongelooflijk goed bij elkaar passen. Zijn jullie het daar eens mee? 100% ben ik. Allee, daar doe ik op. Monsieur Marc. Volgende week proeven Vinken en Van Tricht de Belgische geitenkaas Le Caprin des Carmes samen met Deus.